Salut mes amis, aujourd'hui je veux vous alerter sur certains symptômes qui se produisent lorsque nous pouvons être à risque de cancer et que beaucoup de gens ignorent parce qu'ils ne les connaissent pas. Ces informations sont très importantes car elles peuvent sauver la vie de vous et de nombreuses personnes. Par conséquent, je vous invite à regarder la vidéo complète afin que vous sachiez tous les symptômes. Ainsi, vous pouvez sauver votre vie si vous détectez des symptômes à temps. Dites-moi dans les commentaires si vous ou l'un de vos proches avez souffert de cette maladie. Racontez-moi votre histoire, puisque vous faites partie de cette grande communauté. Et si vous êtes intéressé par les sujets de santé et les remèdes maison, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche afin que vous receviez nos conseils tous les jours. Et maintenant, faites une attention particulière aux symptômes et aux signes suivants de cancer. Numéro 1. Perdre du poids, mais pas suivre un régime ou faire de l'exercice. Perdre du poids rapidement sans suivre un régime ou de l'exercice physique est un symptôme commun chez les personnes qui développent un cancer, principalement le cancer du pancréas, de l'estomac, de l'œsophage ou du poumon. Numéro 2. Avoir de la fièvre et auto-guérir sans médicaments. La fièvre irrégulière peut être un signe de cancer du sang, comme la leucémie ou le symphome, parce que le système immunitaire est affaibli. La fièvre apparaît pendant quelques jours et disparaît sans prendre de remède, puis réapparaît de façon instable et sans être liée à d'autres symptômes tels que la grippe. Numéro 3. Fatigue extrême, même fait de petites tâches. Il est relativement fréquent pour les personnes qui développent un cancer d'avoir une anémie ou perte de sang à travers la scène, ce qui conduit à une diminution de globules rouges et une réduction de l'oxygène dans le sang, puis conduit à la fatigue. Avant de poursuivre, je vous invite à partager ces précieuses informations dès maintenant sur vos réseaux sociaux afin que d'autres personnes le sachent également. Et à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. Ne la manquez pas. Numéro 4. La douleur ne s'améliore pas. La douleur dans un régime spécifique peut être un symptôme précoce avec quelques cancers comme la tumeur du cerveau, le cancer d'œil, le cancer de l'ovaire, du testicule ou du côlon. Dans la plupart des cas, cette douleur ne s'améliore pas avec le repos. Numéro 5. Douleur lors du passage de l'urine sans dans l'urine. Les patients atteints de cancer peuvent ressentir de la douleur en passant de la mission le sang dans l'urine, ayant besoin de passer l'urine plus ou moins souvent que d'habitude. Ce sont des signes courants de cancer de la vessie ou de la prostate. Cependant, ce symptôme est également commun dans l'infection urinaire. Ainsi, un essai d'urine devrait être exécuté pour écarter cette hypothèse. Numéro 6. Changement dans les selles. Le sang dans vos selles ou la diarrhée à long terme, la constipation ou un changement dans la taille de selles peuvent être un signe de cancer du côlon. Numéro 7. Changement de peau. Les cancers de la peau et d'autres cancers peuvent causer des changements de peau qui peuvent être vus, tels que la peau plus foncée à la recherche, la peau et les yeux jaunâtres, la peau rougie et les démangeaisons, ou toute verrue, taupe ou tache de rousse qui change de couleur, de taille ou de forme, ou qui perd sa bordure tranchante doit être vu par un médecin immédiatement. Un changement de peau peut être un mélanome qui, s'il est trouvé tôt, peut être traité avec succès. Numéro 8. Toux persistante ou enrouement. La toux persistante peut être un signe de cancer du poumon. L'enrouement peut être un signe de cancer du larynx ou de la glande thyroïde. Numéro 9. Cicatrisation retardée des plaies. L'apparition de blessures dans n'importe quelle région du corps, comme la bouche, la peau ou d'autres zones, et qui prennent plus d'un mois à guérir, peut également indiquer un cancer à stade précoce, puisque le système immunitaire est plus faible. Et la thrombocytopénie, qui est responsable de la cicatrisation des plaies, est diminuée. Numéro 10. Saignement ou écoulement inhabituel. Cela peut se produire dans le cancer précoce ou avancé. Le sang peut apparaître dans la toux, dans les selles ou l'urine, ou dans le mamelon, par exemple, selon la région du corps affectée. Ressentez-vous l'un de ces 10 signes et symptômes. Si diagnostiqué cancer précoce, peut avoir moins de chances de se propager à d'autres régions du corps et peut avoir de plus grandes possibilités de guérison. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous ou quelqu'un que vous connaissez ou un l'un de ces symptômes maintenant.
Enfin, j'ai une surprise pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un bon remède contre le cancer, je recommande de leur parler du sirop d'aloe vera et de miel. Il peut être préparé à la maison avec ces deux ingrédients et est pris le matin et le soir tous les jours. Le traitement peut être pris pendant 1 ou 2 mois. Si vous comprenez l'importance de cela, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux car il peut aider beaucoup de gens. Merci d'avoir regardé.